sais ce que tu vas faire après le bac? Non, je sais pas trop. Peut-être de la compta. J'aime bien les chiffres et puis on m'a dit que c'est créatif aussi. Et qui t'a dit ça? Je sais plus. Faudrait peut-être que je me renseigne. Je peux t'aider si tu veux. Ouais, ce serait sympa. Bah, let's go! C'est quoi être comptable? Mon métier consiste à s'assurer que chaque investissement d'une entreprise est rentable. On a la chance de travailler sur plusieurs spécialités, donc on peut être à la fois spécialisé en comptabilité, en fiscalité, puis dans le domaine juridique et social. Comptabilité, ça reste une base pour toutes les entreprises. Chaque journée est différente, on touche à beaucoup de domaines. On a parfois des impératifs qu'il faut gérer rapidement et qui sont pour la bonne marge de l'entreprise. Et il faut faire quoi comme étude? J'ai commencé par faire un bac S et j'étais pas trop dans les maths, donc j'ai décidé de me réorienter, je suis parti en STMG et ensuite j'ai poursuivi directement vers le DCG après mon bac. C'est principalement par un BEP métier de la comptabilité pour ensuite rejoindre la filière tertiaire. Je suis ingénieur agronome de formation. Faire un cursus de droit, je me suis spécialisée en fin de cursus en droit fiscal. J'ai fait un DUT GEA, gestion des entreprises et des administrations. Du coup, ça m'a permis de découvrir la comptabilité, mais sans me spécialiser directement. Et j'ai finalisé mon parcours par un master spécialisé en direction financière en école de commerce. Je suis diplômée d'expertise comptable. Quels sont les débouchés? J'ai commencé donc ma carrière dans le domaine du développement agricole en Afrique. Et ensuite, j'ai bougé dans des cabinets de conseil et d'audit. Je suis responsable d'une équipe de 7 personnes, une équipe de contrôleurs de gestion. Je suis directrice administrative et financière dans une PME de 160 personnes. Et je suis à la tête d'un tout petit cabinet d'expertise comptable où nous sommes 3 en tout, donc moi et 2 collaborateurs. Aujourd'hui, je cumule 3 postes, c'est-à-dire, premièrement, je suis gérant d'un restaurant. Je suis également financial analyst business partner et je suis également un portateur d'affaires. Waouh, il y a plein de débouchés en fait. Ça a l'air top. Je vais approfondir mes recherches. Vous voulez en savoir plus? Alors suivez ce MOOC, les métiers de la comptabilité et de la gestion. C'est fun la compta.